Bon, tu nous montres ton travail? Oui. Alors, faut d'abord baliser. Donc là, on n'est plus avec les crochets, ça a bien évolué. Maintenant, c'est un gros aimant, on a juste à soulever comme ça. Ah oui. Et à reculer. Tu crois que j'y arriverai, moi, ou pas? Je pense, oui. Donc tu mets tes jambes bien les pieds comme de ça, chaque côté, oui, à l'extérieur. Et recule. Voilà. Ah ouais. Ils représentent la diversité de nos métiers sur tout le territoire et partagent les mêmes valeurs, celles des compagnons des énergies et services. Aujourd'hui, je rencontre l'un d'entre eux dans son environnement professionnel. Il arbore fièrement les étoiles de l'ordre sur sa tenue. Mais en le côtoyant, je me pose une question. Existerait-il une quatrième étoile? Donc là, on a un câble, on a passé la fibre ici. Donc ça, c'est pour les caméras? Oui, et le collègue, il a fait ses soudures. D'accord. Voilà, on va aller ouvrir le coffret là-bas. Est-ce que tu crois que l'ordre t'a fait évoluer Inconsciemment, oui, je pense, ouais. Oui. Ça m'a donné des valeurs, ça m'a fait réfléchir sur la façon de travailler, et puis surtout la sécurité de soi, la sécurité des collègues. Je suis toujours dans l'anticipation. C'est mon état d'esprit, j'ai appris. Alors l'anticipation. J'ai appris à avoir plus de caractère aussi. C'est vrai. Moi qui étais. Oui, j'étais très timide très quand timide, j'étais jeune. Ouais. Et oui, j'ai appris. J'ai appris à être chef d'équipe. Le travail m'a amené beaucoup de valeurs que je connaissais pas en moi. Donc là on est sur un autre chantier. On va retrouver des collègues. Oui. Là on est sur un petit effacement de réseau. Ouais. Il nous reste plus qu'à faire un arrêt de ligne sur le poteau d'arrêt et après on va descendre la ligne qui passe au niveau du nouvel immeuble. Donc là on travaille sous tension, oui. Et le temps qu'il fasse ça, de toute façon moi je peux pas travailler en dessous, on va chercher le câble. Ok. Donc là on est dans le magasin, on va juste prendre un bout de câble. Donc le chariot pour parce que sinon c'est un peu lourd, ouais. À partir du moment où on travaille avec sa tête, on a on moins de risques. On est fatigué physiquement. C'est ça. J'aime bien cette expression. J'ai eu un petit moment de doute l'année dernière parce que bon, ça a été assez difficile. J'ai passé un moment assez difficile personnellement. J'avais besoin de retrouver de l'énergie. Et puis finalement, la Covid est arrivée, ça a tout arrêté. Et l'année où on ne s'est pas vu, ça m'a permis de me ressourcer et de reprendre de l'énergie. Et maintenant, je retrouve une dynamique et... Une envie. Et une envie, ouais, d'avancer, de faire avancer les choses. Et ça, c'est important. Ouais. C'est important, l'envie. C'est important. C'est le moteur. Ah oui. Ouais. C'est pour ça que je m'investis et je continuerai à m'investir tant que je pourrai. Fier de toi, Olivier. Deux étoiles. Oui. Donc, t'es en route pour la troisième, là? Peut-être, je sais pas. Et s'il devait y en avoir une quatrième étoile? Transmettre la valeur, être exemplaire. C'est ton mot d'ordre. Ouais, être exemplaire dans tous les domaines. La quatrième étoile, c'est l'exemplarité. Exemplarité, oui. Ça résumerait vraiment toutes les autres étoiles. Ouais. Ouais. Ça serait la synthèse des trois. Ça serait, ouais. Que je pourrais monter dans la nacelle? Oh bah oui, il n'y a pas de souci. Par contre, va falloir un harnais. Yes. Ah, oh, dis donc, ça pèse son poids quand même. C'est la sécurité. Et ça n'a pas de prix. Ah, c'est chouette. On est bien là? Bonne énergie? Oui. Et service? C'est ça.